Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que aujourd'hui 28 mars, vous êtes en pleine forme. Peut-être que le jour vient de se lever dans ton pays, mon frère, ma sœur, mais je bénis ta vie, je prie pour qu'aujourd'hui Dieu place quelqu'un devant toi, que tu puisses prier pour lui, que tu puisses exercer ta foi et que vraiment il soit complètement guéri et que tu rentres vraiment et pleinement dans ton ministère que Dieu a placé dans ta vie, mon frère, ma sœur. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui, ce 28 mars, parce que la parole de ce jour se trouve dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le titre de la méditation d'aujourd'hui s'appelle « Dieu envoya sa parole pour vous guérir ». La docteure Yeomans et sa sœur étaient toutes les deux médecins. Il y avait une belle maison en Californie, un hôtel particulier à 2 étages dont elles firent une maison de la foi. Oh, que j'aime ça! Moi, rien que quand j'entends une maison de la foi, je vois des personnes rentrer et des personnes être guéries. Et ça, ça me réjouit. Amen. Parce que j'aime quand la puissance de Dieu est démontrée, non pas en parole, mais comme l'apôtre le dit, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis venu, mais je suis venu avec une démonstration de force et de puissance afin que vous soyez établis, fondés, non sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu. Elle invita des gens chez elle pour recevoir la guérison divine. Elle ne prenait que 4 patients à la fois, puisque le docteur Yeomans voyageait et prêchait la plupart du temps. Sa sœur, amie Yeomans, s'occupait des malades. Que firent-elles pour guérir les gens? Elles leur enseignèrent simplement la parole de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui déclenchait quelque chose, tel un don de l'Esprit de 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 8 à 11. Les gens furent guéris en mettant en œuvre leur propre guérison sur la base de leur foi en la parole de Dieu. À l'époque, à part une seule autre maladie, la tuberculose était responsable de la plupart des morts aux États-Unis. Dès qu'un patient fut guéri, on demanda au prochain postulant de venir comme patient, s'il n'était pas déjà mort, car tous ces gens avaient des maladies incurables. On amena une femme atteinte d'une forme de tuberculose particulière, et on l'a mis dans une chambre en étage. La docteure Yeomans s'assit à son chevet lui disant « Joignez les mains, fermez les yeux et allongez-vous. Décontractez-vous et écoutez. » Et ensuite, elle lui lut des versets de la Bible. « Mon frère, ma sœur, ces jours-ci, nous avons été très, très longs et nous nous en excusons. Aujourd'hui, je voudrais stopper cette méditation ici parce que je voudrais que tu travailles avec le Saint-Esprit tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant. T'imagines que tu es là, mon frère, ma sœur. Tu as peut-être pas un homme de Dieu, un prophète de Dieu à tes côtés, mon frère, ma sœur, mais tu as la parole de Dieu qui est à côté de toi. Et la parole de Dieu est toute suffisante pour te guérir. Parce que le verset de la Bible d'aujourd'hui, c'est « Il envoya la parole » et les guérit. Ce que tu as besoin, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, est cette parole vivante qui est capable de couper l'esprit et l'âme en deux et séparer les deux, mon frère, ma sœur. Oui, mon frère, ma sœur, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de retourner à la parole de Dieu. Dieu t'appelle. Je sens qu'il y a quelqu'un que Dieu appelle à retourner à la parole. Dieu t'a mis un ministère de la parole, mais l'ennemi a su te décourager. L'ennemi a su te mettre des empêchements pour que tu ne lises plus ta parole, mon frère, ma sœur. Ces méditations sont peut-être bonnes pour toi, mon frère, ma sœur, mais il te faut aussi la méditation de la parole de Dieu. Dieu ne fera rien si tu ne médites pas la parole de Dieu. Beaucoup prient, mais ils ne lisent pas. Il n'arrivera jamais rien dans ta vie, mon frère, ma sœur. Il n'arrivera jamais rien. Parce que la parole s'est faite chair au travers de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui guérit aujourd'hui au travers du Saint-Esprit. Et tu as besoin, mon frère, ma sœur. C'est vital, c'est primordial que tu aies cette communion
aussi avec la parole de Dieu, ainsi que la prière, mon frère, ma soeur. Alors, je te laisse avec notre chère prophétesse Karine, qui aujourd'hui va te relâcher une bonne déclaration dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia, amen, amen. Je dis vraiment amen à cette parole. Et c'est vrai, comme le pasteur le disait, la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair et elle se nomme Jésus-Christ. Et en rejetant la parole de Dieu, vous rejetez Jésus-Christ. Et si vous rejetez Jésus-Christ, vous rejetez aussi les œuvres qu'il a accomplies à la croix. Et c'est-à-dire votre guérison, mes bien-aimés. Il faut que vous compreniez cette vérité. Ce sont tous des engrenages qui se mettent les uns après les autres en route pour que vous acquériez votre guérison. Et si vous rejetez un élément de ces engrenages, eh bien, les choses ne se mettent pas en place et vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Appuyez-vous simplement sur la parole de Dieu. Elle est votre assurance pour recevoir votre guérison. Nous voulons ensemble faire cette bonne déclaration de ce jour. Comme le verset le disait, Dieu nous a envoyé sa parole pour nous guérir. Et sa parole, il l'a envoyée à travers ses serviteurs. Mon mari et moi, nous sommes ici, aujourd'hui, assemblés avec vous ce matin pour vous annoncer cette parole afin de vous faire échapper de la fosse, échapper d'une mort qui vous a peut-être été déclarée. Oui, nous sommes ici pour vous annoncer cette parole. Vous pouvez être guéri si vous vous appuyez complètement sur la parole de Dieu et sur la déclaration de ce qu'elle dit. Dieu a envoyé sa parole pour me guérir. Sa parole est la vie pour moi. Elle est la santé et la guérison pour tout mon corps. Et je veux prendre cette parole et la faire activer dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux l'activer dans ma vie. Mes bien-aimés, après toutes ces méditations que nous avons parcourues jusqu'à ce jour, est-ce que vous êtes devenus des frères et des sœurs qui persévèrent et qui sont déterminés à recevoir leur guérison? Si vous êtes de cette race de vainqueurs, de cette race de persévérants, parce que la parole nous dit que c'est ceux qui persévèrent et qui ont la foi qui héritent des promesses. Et cette promesse, c'est que nous pouvons recevoir la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes devenus des persévérants dans la parole? Est-ce que vous êtes devenus des personnes qui ne lâchent pas, des violents qui s'emparent du royaume de Dieu et de toutes ces promesses que Jésus-Christ nous a faites? Est-ce que vous êtes devenus de cette race? Si vous ne l'êtes pas encore, eh bien il n'est pas trop tard. Levez-vous et battez-vous pour recevoir votre guérison. Et si vous pensez être devenu plus fort, plus persévérant, eh bien je vous invite, je vous encourage à continuer vos efforts parce que vos efforts seront récompensés. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Faites votre part et Dieu fera le reste. Il fera la sienne, sachant qu'il est fidèle et qu'il fera concourir toutes choses pour notre bien. Appuyez-vous sur la parole. Vous n'avez peut-être pas encore assez médité la parole. Prenez des versets qui parlent de la guérison divine et imprégnez-vous de tous ces versets afin qu'ils soient vôtres. Nommez-les. Mettez votre nom à la place des hommes et des femmes de Dieu qui ont reçu ces guérisons divines. Faites-la vôtre. Emparez-vous de vos promesses afin que vous soyez guéris. Soyez des battants et des battantes, des guerriers au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis, mes bien-aimés. Et je sais qu'encore aujourd'hui, il y aura des témoignages. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des fils, il y a des filles qui vont s'emparer de cette parole, qui vont la mettre en pratique et qui vont recevoir tous les bénéfices qu'elle produit dans leur vie. Vous serez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous le déclare. C'est aujourd'hui votre jour. Soyez bénis, mes bien-aimés. Restez dans la présence divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous donne rendez-vous demain.